Pierre Blériot-Oniemec, je vous propose également d'avoir votre regard, non seulement sur cet hommage important pour Ndjam Fondi, mais surtout cet héritage politique qui fait couler beaucoup d'encre et de salive aujourd'hui. Héritage politique du Tiaman Ndjam Fondi. Moi, j'ai souvent présenté le Tiaman comme étant bipolaire. Yeah. On a le Tiaman de l'Ancien Testament, celui que les gens décrivent dans les années 90, et on a le Tiaman du Nouveau Testament. Mais c'est le même homme. À la vérité, c'est la première fois que je partage un plateau avec Elie Milobe. Et en le regardant, j'ai compris qu'il est naïf. Il est naïf. Il est autant naïf que le professeur Nkumvondo. Il y a une seule famille politique au Cameroun. Les gens, ils sont dans leur même chose. Ils fabriquent des partis satellites pour distraire les gens. Et s'il observe bien tout ce que John Fundi a fait, il y a un parti qui est en train de refaire exactement la même chose. Le mouvement pour la renaissance du Canada. Je dis que s'il observe bien. Le but est d'envoyer des gens créer des partis politiques et de dépolitiser les citoyens camerounais. Ça a été conçu comme ça. Quand vous me citez des partis comme l'UPC, regardez qui sont les dirigeants de l'UPC, c'est les amis des gens du RDPC. C'est le cas pour tous les vrais, les grands partis politiques d'opposition. Il reste donc des petits partis d'opposition comme celui du professeur Nkumvondo, qui à un moment donné ont cru que l'opposition existait réellement. Mais vous savez, quand vous êtes un vrai parti d'opposition, vous restez dans la limite du parti univers. Vous verrez bien qu'il a eu à un moment donné de l'essor du fait d'un politicien satellite. Et dès qu'on récupère les politiciens satellites, on les pousse à dépolitiser les citoyens. Lorsque le monsieur du RDPC disait qu'il n'y avait pas Internet, non. On a fabriqué ces gens. Faut-il dire que John Fundi était candidat à l'élection de la présidente de la section RDPC de la Maison contre un certain Achidi Achou. Je crois qu'ils se sont entendus, c'est d'ailleurs des membres d'une belle famille. On a dû lui dire, bon, toi, tu vas quitter ici, on va te mettre ailleurs et ça va donner l'impression qu'il y a de l'opposition au Cameroun. On prend les mêmes et on recommence. Dans l'idéologie ou l'idée selon laquelle il y aurait une opposition qui va s'unir, quelle opposition va s'unir? Pourquoi John Fundi a refusé à un moment donné cette coalition de l'opposition? C'est parce que celui qui avait été désigné était un vrai opposant, le docteur Adamu Ndamjoya. C'est pour cela que Fundi s'est retiré, que ses amis lui ont dit, tu ne peux pas aller dans cette affaire. C'est la réalité. Il y a quelques rares opposants au Cameroun qui ne sont pas dans le cercle. Et je sais qu'ils se baladent bien, quand vous vous baladez dans le Cameroun secret et profond, vous rencontrez ces gens ensemble. C'est quelques grandes familles qui tiennent le Cameroun et qui nous tournent, même lorsqu'on vous donne l'impression qu'on faire de l'opposition dans le nord-ouest, le sud-ouest, c'est les mêmes. Il a suggéré l'idée d'un président anglophone. Mais si le président anglophone doit sortir des mêmes familles, nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Nous sommes embrigadés. On a donc réussi aujourd'hui à dépolitiser le Cameroun. Et les mêmes vous font le même jeu. Cette fois-ci, on dit on ne s'inscrit pas sur les listes électorales. Et personne ne comprend pourquoi. Le lendemain, on vous dit non, on a changé de stratégie. John Fundi, on pouvait dire, il y en avait qui disaient qu'il n'avait pas fait de grandes études.
Mais le parti qui vient de faire les mêmes choses a à sa tête quelqu'un qui a fait de très grandes études. Donc vous comprenez que ça ne vient pas de leur leader. C'est une commande qui leur est faite de dépolitiser les citoyens. Et lorsqu'ils y sont parvenus, le RDPC peut donc avoir 100 sénateurs, comme ils viennent de l'avoir. Je crois qu'à la prochaine élection, aux prochaines élections législatives et autres, le RDPC fera carton plein partout. J'ai pu observer dans la région d'où je viens, et le département notamment, que là où des partis politiques étaient supposés être majoritaires, ils avaient été battus aux élections régionales. C'est-à-dire que leurs propres membres avaient voté contre eux. Mais vous ne comprenez pas ça. Et on avait suggéré déjà que les leaders de ces partis politiques permettraient que les choses se passent comme elles se passent actuellement. Donc moi, je pense que nous sommes, s'il y a quelques personnes qui aiment ce pays, nous devons nous organiser non pas autour des partis politiques, mais autour d'une vraie société civile évoluée. Et comprendre que nous avons été pris dans une nasse depuis la préparation des indépendances au Cameroun. On a étudié particulièrement le cas du Cameroun pour faire en sorte que tous les hommes politiques qu'on fabriquerait au Cameroun soient contrôlés depuis leur départ. Je crois aussi que c'est l'abondance de la chrétienté chez nous, que ce soit les catholiques ou les protestants, qui fait que nous n'ayons pas de vrais révolutionnaires. J'ai de l'admiration pour des pays comme le Sénégal. Quand vous voyez le discours de Jeune Sonko, vous rendez bien compte qu'il n'a rien à voir avec Macky Sall qui est actuellement au pouvoir. Et vous voyez qu'à cause de cela, on peut, ou grâce à cela, fonder des espoirs. Nous ne pouvons plus honnêtement fonder les espoirs sur ce que vous appelez parti d'opposition. C'est des partis satellites du RDPC qui représentent le RDPC parce que le RDPC ne peut pas tout prendre en son sein. Vous avez lu la ligne, n'est-ce pas? Vous pouvez observer cela. C'est des amis du RDPC qui ont le vent en poupe quand ils disent être des partis d'opposition. La vraie opposition camerounaise, elle est l'opposition des gens comme Cyprien Olinga, vous voyez, personne ne le connaît là. C'est-à-dire, je cite le professeur Nkourou, non pas parce qu'il est là, hein, je l'ai souvent pensé, que son parti était un parti d'opposition. Mais vous verrez les résultats de son parti depuis que des choses se sont passées d'une certaine façon. Ils ne vont plus évoluer. Parce que vous êtes tenu dès la base. Est-ce qu'il est avec nous? Oui. On peut lui permettre d'avoir 5 députés ici et là, et on sait comment on va s'organiser le moment venu. Est-ce qu'il n'est pas avec nous? S'il n'est pas avec nous, il n'aura rien. Kouvondo vous l'a dit ici, il dit qu'il est de Ngaoundéré. Bon, on reviendra sur cette question, même si on sait tous qu'il n'est pas de Ngaoundéré. Donc voilà les réalités de la scène politique camerounaise. Une scène où les gens ont été pris en otage. Les partis que je connais comme le Monsieur Lobé connaît le SDF, je connais l'UPC. Mais regardez, qui sont les leaders de l'UPC? C'est les amis des autres. Et est-ce que vous n'avez pas, vous êtes pas rendu compte que les deux tenants de l'UPC, des deux branches fabriquées de l'UPC, ont fait allégeance au RDPC lors des élections? Vous attendez quelles alliances? Chacun a dit qu'il soutenait Paul Biya. Alors, si on soutient tous Paul Biya, on s'oppose à qui finalement? That is the question. Bon, pour chuter sur le cas Frundi, je dis, c'était un politicien à la manière du Cameroun. Quand vous voulez être un politicien connu, vous faites du bruit sur les médias et autres, comme Yemek le fait là, on vous appelle si vous adhérez, on vous donne de l'aura, vous faites du bruit et on vous remarque. Après, vous vous éteignez. Frundi avait toutes les manettes, s'il était un vrai opposant, pour renverser le régime actuel. Mais il ne l'a pas fait. Quand j'entends vanter Frundi, il n'a pas voulu verser le sang des Camerounais. Il faut penser qu'ailleurs, c'est parce qu'on n'aime pas les populations. Est-ce qu'il allait verser le sang de tous les Camerounais? On ne verse jamais le sang de tout le monde. Mais quelquefois, pour faire certaines formes de molette, il faut casser quelques formes de...